J'ai arrêté les images et refermé les journaux. Assez de cris, de tapages, de grands mots. Assez de fous, de victimes, de prophètes, de malheurs, de désespoir et de crimes, de terreur. On reçoit dans la figure le froid, la guerre et la faim. Le temps qui prend des allures d'assassin. La détresse et la débauche, la colère des volcans. C'est partout, à droite, à gauche, mauvais temps. À force de croire au pire, chacun de nous s'habitue à savoir qu'on se déchire, s'entretue. Ça devient de la routine, les gros titres du journal. On torture, on assassine, c'est banal. Je n'ai pas la clé du monde, celle qui résoudrait tout. Mais j'ai des mots qui répondent malgré tout. Je crois que de proche en proche, savoir se tendre la main, faire un geste qui rapproche, c'est très bien. Pour un enfant à naître, l'homme qu'il sera demain, on peut préparer peut-être le chemin. Il nous reste à réapprendre un je t'aime et un bonjour, ces mots qu'il faudrait entendre chaque jour. Il nous reste à réapprendre un je t'aime et un bonjour, ces mots qu'il faut bien comprendre et qui parlent de l'amour. J'ai arrêté les images et refermé les journaux. Assez de cris, de tapage, de grands mots.